quand même, je suis dans un parc, et le parc de Metz des dinosaures, où là on nous raconte un petit peu l'histoire, on nous fait un peu découvrir hein, comment, et on a trouvé dans cette région beaucoup de fossiles. Et on nous explique là qu'est-ce qu'un fossile. Voilà, donc le fossile, ben voilà, le dinosaure il meurt au bord d'une rivière, son cadavre petit à petit recouvert de sable et de boue. Ensuite la chair, ben, tout la chair, tout ça, les organes disparaissent, il reste que le squelette. Et au bout de plusieurs millions d'années, il y a les os qui se transforment en pierre. Ce qui nous donne ensuite les fossiles que l'on retrouve et qu'on peut découvrir ici. Ça c'est de l'histoire hein, mon petit gars, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On est ici dans un pays trop bizarre. Regardez, il y a des bêtes vraiment très étranges. Elles sont camouflées. Ah, ça y est, regardez, j'en ai repéré un. Aïe, 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 attention, attention, il y a des animaux très, très bizarres ici. Oh lolo, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, quand même. Bon, bah, on va aller faire un petit tour ailleurs, hein, parce que là, il y a des grosses bêtes. Dans les forêts et regardez ce que je vois là-bas. Oh là là, il est inquiétant celui-là. Je sais pas ce que c'est, mais ah, quoi que peut-être. Ah, il a sa femelle qui est un peu plus loin. Regardez si c'est pas magique, la maman dinosaure. Et là, allez, on y a ça, on fait une sacrée omelette avec ça. Regardez-moi ça un peu, regardez la taille. C'est énorme. Oh là là, bon, on va sauver parce qu'il y a le papa qui arrive. Oh, il va nous foncer dessus. Ouh, il est pas content qu'on soit là. Oh là là, le méchant canaille. Je viens de trouver la cachette formidable. Regardez un peu voir. Là, on a presque en direct des bébés qui naissent. Regardez-moi ça comme c'est joli. Des petits bébés dinosaures. Regardez. Bon, on va quand même se sauver avant que le parent arrive, hein, parce que sinon on va pas se faire attraper. C'est pas mignon. Bon, bien sûr, faut se dire qu'ils vont vite grossir. Hein. Là, ils ont déjà la taille d'un gros rat. Je ne vous dis même pas dans quelques semaines. Hein. Alors je vais pas tout vous mettre parce qu'il y aurait tellement à découvrir que bah, là, je vous invite à venir ici sur ce superbe site pour découvrir bah, le reste de la vie. Et puis bah, nous on va continuer tranquillement, toujours en compagnie de nos amis les dinosaures. Un voyage dans le temps qui est assez sympathique. Voilà, la visite se termine et je vous invite à venir à Metz pour visiter parce qu'en plus le personnel est super sympa, ils expliquent tous vraiment plein de choses, ils prennent le temps et c'est vraiment agréable. Donc bah allez, à bientôt à Metz, à la rencontre des dinosaures. Un site qui depuis 18 ans existe et qui continue. Et là pour l'instant ils recherchent bah, une ponte avec encore des embryons dedans. Et comme ils n'ont pas, j'ai un petit, tout petit pourcentage qui a été fouillé, et ils espèrent bien un jour faire la fouille miraculeuse et trouver des embryons dedans. Le compte. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo en direct de l'île du Sud. C'était Anne D pour vous au parc des dinosaures de Metz. Ciao, ciao!